Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour parler des choix de l'équipe de Sunning Quickstep, l'équipe belge pour le Tour de France 2022, qui fait une impasse sur trois gros coureurs pour le Tour de France 2022. Décision qui n'a pas, pas très plu bah, à l'ensemble des Français et du public du Tour de France, mais notamment au directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, qui se dit très surpris par l'absence de trois coureurs de marque pour le Tour de France. 2022 en la présence de Mark Cavendish. Qui est quand même euh, l'homme du Tour de France. 34 victoires sur le Tour de France 2022. En plus, sacré champion de Grande-Bretagne très dernièrement, le dernier week-end. L'absence également de Florian Sénéchal, tout juste sacré champion de France qui euh, tourne plutôt bien. Et l'absence, c'est la première fois depuis 4 ans, du champion du monde. C'est cette année Julien Lafilippe, depuis d'ailleurs 2 ans qu'il est champion du monde, qui sera également absent de la Grande Boucle. Donc, dans cette vidéo, on va ouvrir à un débat. Je vous incite d'ailleurs à aller répondre à mon sondage sur ma chaîne YouTube. Êtes-vous surpris de l'équipe Présenté par The The Sunning Quickstep au départ du Tour de France 2022. Équipe entraînée par Christophe Lefever. Donc on a l'absence de Julien Lafibre de Marc Avedic et Florence et à A chaque fois j'ai précisé euh, bah, ces trois champions tout simplement qui euh, sont soit champion du monde, champion de Grande-Bretagne ou champion de France pour cette année 2022. Donc vous avez différentes modalités de réponse. Je vous incite à aller voter simplement pour voir euh, ce que vous en pensez et surtout voir ce qui va en ressortir la team. Donc n'hésitez pas à partager en masse ce sondage pour avoir les réponses les plus euh, on va dire révélatrices possibles avec le nombre de participants si bon donc, c'est vrai que le choix paraît surprenant. Donc, l'équipe Quickstep Alpha Vanille Team a présenté son équipe avec Yves Lampart, Casper Asgreen, Mattia Cataneo, Team de Clerc, Andrea Badjoli, Miguel Honoré, Fabio Jacobsen pour le sprint et Michael Morkov. Donc, on voit bien qu'au niveau de la montagne, on n'a aucun coureur. On n'a pas un coureur passe-partout puncher comme Julien Lafille, tellement dans cette équipe, à part Mattia Cataneo qui passe assez bien les boss. Sinon, les autres, Lampart c'est un rouleur, Casper Asgreen, c'est un coureur passe-partout, mais surtout rouleur team de clerc c'est un rouleur bad jolie morkov c'est pour le sprint de jacobsen et miguel honoré c'est un rouleur aussi donc en tout cas on a tout opté pour le train du Wolfpack autour de Fabio Jacobsen, qui n'est pas forcément une valeur sur en ce moment, il gagne pas tant que ça, Fabio Jacobsen, donc on, on l'a privilégié à Mark Cavendish, qui, font, fin, qui tourne plutôt bien, notamment sur le Tour de France, qui est son grand tour, euh, sur le dernier Tour de France, je crois que c'est 4 victoires d'étape, c'est 34 victoires d'étape sur tous les Tours de France qu'il a réalisés, donc surprenant, sachant qu'il vient d'être sacré euh, champion de Grande-Bretagne, c'est-à-dire qu'il a gagné au sprint sur son tour, enfin euh, sur son championnat euh, national, donc surprenant comme décision, sachant que c'est quand même une star, qui ramène de l'audence, Mark Cavendish, euh, décision très surprenante de la part de Deceuninck Quick Step. Une autre décision qui peut paraître celle-là plus relative. Julien Lafilippe qui avait subi une grosse chute en début de saison, pas forcément encore remis en condition, euh, pas présent. Donc c'est toujours euh, bah, chagrinant de ne pas voir Julien Lafilippe qui est quand même le chouchou des Français, qui a, qui a porté 14 jours d'affilée en 2019 le euh, maillot jaune. Sur ses trois dernières participations, il a toujours été chercher le maillot jaune, il a toujours été animé la course. Donc, le fait qu'il ne soit pas là, bon après, est-ce qu'il est remis de sa blessure ou pas? Lui il pensait être remis, mais après, est-ce que c'est plus sûr ou pas? Là, ça peut se discuter. Mais en tout cas, il aurait peut-être pu essayer de mettre Julien Philippe parce que, dans tous les cas, avec l'équipe qu'ils vont présenter, je pense pas qu'ils aillent chercher de, de grosses victoires d'étape cette année. Euh, en tout cas, très décevant de voir Julien Philippe absent, sachant que lui aurait voulu être sur le tour. Après, c'est sûr que ça se discute dans le sens où est-ce qu'il peut mettre sa saison en vrac pour ça. Mais en tout cas, les objectifs qui ont été fixés pour sa fin de saison sont pas énormes. Hein. Je crois qu'il a tour de Lombard et championnat du monde bon ça voilà mais euh, sinon franchement il aurait pu essayer le tour de france au pire il aurait abandonné à la dixième étape mais au moins il aurait été là et ça se trouve il aurait été chercher quelque chose et florian sénéchal qui vient d'être sacré champion de france c'est quand même mauvais de pas mettre le champion de france euh, sur le tour de france sachant qu'en plus c'est un coureur complet qui lance bien les sprints qui fait des qui roule bien qui est plutôt complet sur chaque terrain qui est très en forme franchement les décisions de Patrick Lefever peuvent être surprenante euh, surtout que là c'est quand même trois coureurs euh, impressionnants et qui sont euh, en forme pour deux en tout cas en ce moment Julien La Philippe sur le, les championnats de France il a montré qu'il était capable d'emmener Florian Sénéchal donc en soi il aurait pu faire un bon équipier sur le tour de France sachant que là il a quand même permis de propulser euh, Florian Sénéchal sur le, les championnats de France il aurait pu faire la même sur euh, le tour de France euh, on sait que Julien La quand il arrive forcément euh, en, enfin au tour de France avec un, un autre pic de forme il est capable de faire des, sur fin, des surprises donc Franchement, euh, très déçu quand même des décisions de Patrick Lefebvre, euh, sachant que là ça va quand même mettre un coup au Tour de France, et c'est vrai que rien que là, euh, c'est franchement euh, très décevant quoi. Donc, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez en commentaire. Allez voter au, au sondage sur la chaîne YouTube. Mais moi, en tout cas, pour donner mon avis personnel, je suis plutôt d'avis de Christian Prudhomme que c'est quand même bizarre euh, les choix de, de Sending Quickstep Sachant que à, pour à, Julien Lafilippe, à la limite, je peux comprendre. Pour Marc Avendish et Florian Seneschal, je comprends pas forcément les choix. Sachant qu'ils ont mis à peu près les mêmes profils de coureurs euh, à côté. Euh, encore, ils auraient emmené un Renko Evenpool en montagne et axé une, une équipe de montagne. Je comprends que Marc Avendish ou Florian Sénéchal ne soient pas retenus. Quoi qu'encore Florence Sénéchal sur le Play il peut placer ses leaders. Mais euh, là, le coup des trois, je trouve que ça fait beaucoup. Euh, voilà, c'est quand même un mauvais choix stratégique, je pense. Et une mauvaise pub pour Decenning Quickstep. Qui crée en tout cas la polémique pour ce début de Tour de France 2022. Et en tout cas, c'est très regrettable d'avoir l'absence de ces trois grandes stars sur le Tour de France, qui est quand même la plus grande course cycliste au monde. Qu'on va suivre, bien sûr. Ça ne changera rien. Mais en tout cas, très déçu de la décision de Quick Quickstep. Il y a encore de l'espoir dans le sens où Cavendish et Sénéchal sont mis réservistes. Donc au cas où... Ils peuvent encore être substitués à un autre coureur Donc pourquoi pas faire partie du Tour de France Pour Julien Lafilippe je crois qu'il n'est même pas réserviste Donc c'est finito pipo En tout cas j'attends votre retour en commentaire Et la team je vous dis donc à très bientôt Pour de nouvelles vidéos notamment le Tour de France Conscient d'intégralité sur la chaîne Du 1er au 24 juillet Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche Nous rejoindre pour kiffer tout ça ensemble On va kiffer ce Tour de France 2022 Ciao ma team